Bonsoir tout le monde. Justement, on finit une séance de travail avec des représentants du, je dirais des sénateurs même, des représentants du Parlement américain qui sont là avec nous. Et on a parlé un peu de tout, de ma vision, du futur d'Haïti, de la situation qui prévaut, problème qui est dans le pays à Vodia, que nous identifions peut-être comme une page que nous devons virer vite parce que Vodia, stabilité est très importante pour nous dans le pays. Et il faut que nous continuions avec le programme, toute promesse que nous avons fait par le peuple haïtien, c'est ça, qu'il y a espoir. Et nous croyons qu'à travers le fait surtout que nous travaillons sous l'état de droit, pour que le judiciaire mette en place et que nous voulons continuer là rapidement avec les élections et mettre sous place le conseil électoral permanent le plus vite que possible et les bonnes relations avec le Parlement. Et moi, je crois que les délégations qui représentent les gens qui ont vraiment approuvé le support à Haïti, je crois que je suis très satisfait de la réunion de Vodia. Parce que ont toujours tourné à Haïti, vin aider. Donc, ils étaient là, ça va gagner longtemps. Ils ont des changements. À yeux, ils ont déjà senti changement. Sans que ils aient fait ni 5 jours ni 10 jours dans le pays. Mais ils ont senti volonté équipe là. Et tout, en pile, mon équipe, le gouvernement était intervenu. Donc, la séance a été très positive. Et nous remercions du fait que non seulement. Ils ont encouragé nous avec des mots qui étaient vraiment forts, mais ils promettent nous un support continu envers Haïti, envers les Haïtiens. Ils sont conscients de problèmes que nous avons passés, de misère, de souffrance, et ils ont engagé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les logements, pour assister nous, pour que les gens nous capotent au soulagement des Haïtiens. Donc, et ceci dit, le sénateur, Léhi qui parle un petit peu le français, un tout petit peu. Non, je ne parle pas français. Eh bien, that's good enough. Je ne parle pas français, il dit français.